Mes chers amis, je ne suis pas venu parler de François Hollande, encore moins d'Anne Hidalgo, sujet sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Je suis venu vous parler de nous, de vous, d'où nous en étions, où nous en sommes et où nous allons. C'est bien beau de se consacrer sur ses adversaires, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut gagner non pas parce qu'ils sont mauvais, non pas parce qu'ils conduisent la France dans le désastre, non pas parce qu'à Paris comme ailleurs, ils n'ont aucun projet digne de ce nom. Il nous faut gagner parce que nous porterons une force et un projet capables d'arrêter la descente de notre pays vers les abîmes. C'est de cela dont il s'agit, de rien d'autre. Il ne s'agit pas de choisir le moins mauvais. Il s'agit de choisir l'équipe qui aura la force, qui aura l'énergie, qui aura la capacité d'éviter rien moins que la disparition de notre pays comme puissance mondiale de premier plan. Ce n'est pas rien, la France. La France n'est pas une page blanche. Nous sommes les héritiers d'une histoire qui a fait de notre pays l'un des seuls à travers le monde à avoir une vocation à l'universel, sans doute avec les États-Unis d'Amérique. Eh oui, les Allemands, les Espagnols, tant d'autres à travers le monde ont l'ambition légitime de la défense de leurs intérêts. La France, toujours à travers son histoire, a eu vocation à défendre l'universel. La France s'en a énervé beaucoup à travers le monde. La France est un pays qui a toujours pensé, une nation qui a toujours pensé que son discours avait vocation à rayonner au-delà de ses propres frontières. C'est ça, la France. Et nous sommes les héritiers de cette histoire. Nous ne pouvons pas simplement porter un discours de nos intérêts franco-français. Nous devons porter une vision, cher Pierre, une vision du monde. Où en étions-nous? Et je suis très heureux de parler devant les adhérents de la Fédération de Paris. Ces adhérents qui ont été pendant si longtemps le cœur de notre famille politique et qui pendant si longtemps portaient la victoire et qui, au fil des divisions et des règlements de compte internes, avaient fini par devenir le cœur de ce qu'il ne fallait pas faire en termes de division, de haine interne, de règlements de compte et de clans. Il faut regarder les choses très simplement, savoir comment on a fait pour gagner et savoir comment on a fait pour perdre. Il fut un temps où on préférait même ne pas faire de réunion, dans l'espoir que ne faisant pas de réunion, il n'y aurait pas d'étalage de division. Cette époque appartient à un temps définitivement révolu. Pendant des années, j'ai connu notre famille politique, où l'ensemble de la presse et du reste de la classe politique nous décrivait comme une force exclusivement parisienne et d'Île-de-France. Puis le temps a passé, et d'étage en étage, avec l'ascenseur qui descendait, nous sommes arrivés à nous replier sur quelques bastions prétendus avant que les bastions prétendus ne tombent les uns après les autres. Pourquoi ? Absence de projet, absence de vision, absence d'union. L'ambition, la concurrence, c'est quand même pas moi qui vais les attaquer. Mais l'ambition et la concurrence, c'est pas un droit, c'est un devoir. Être meilleur. Être meilleur comment ? Pas tout seul, pour fédérer, pour rassembler, pour additionner, et non pas pour exclure. Les règlements de compte, les détestations internes,
Les divisions, c'est fini. Et quand je vous dis c'est fini, c'est vraiment fini. Non pas que les hommes ont changé, mais dorénavant, il y aura des procédures. Et je ne suis pas décidé à accepter la moindre attitude qui conduirait à marquer des buts contre notre propre camp. La situation de la France est trop grave. L'angoisse des Français est trop profonde. La colère qui monte est trop prégnante pour tolérer cela. La nomination de Frédéric, dont vous connaissez nos liens de proximité, participe de ce mouvement. Il ne s'agissait pas d'arbitrer entre telle ou telle équipe, telle ou telle clan, telle ou telle amitié. Il s'agissait qu'ensemble, ensemble, le mot ensemble a une signification, ensemble, tous ensemble, on a tous besoin les uns des autres. Et quand je vois Jean qui a accompagné tellement, pardon de te le dire, ma jeunesse dans la vie politique qui est présent, je te dis Jean, on a aussi besoin de gens qui, comme toi, représentent l'histoire de notre mouvement ici. Nous ne sommes pas non plus une page blanche. Je le dis pour Jean, je le dis pour Philippe, je le dis pour tous les autres, je le dis pour Rachida, je le dis pour chacun d'entre vous, amis très proches ou amis moins proches, ensemble. C'est trop difficile, la vie politique, pour en plus se permettre d'être séparés. Ensuite, il fallait remettre tout le monde au travail. Je croyais que dans nos valeurs, le travail était la valeur fondatrice. Appliquons-le nous à nous. Travaillons d'arrache-pied. Travailler, ça veut dire quoi, Philippe ? Pas simplement militer, réfléchir. Militer et réfléchir. Débattre. Chercher de nouvelles idées. Construire de nouveaux projets. Analyser les défis français pour essayer de porter une vision originale et en même temps conforme aux valeurs qui sont les nôtres sur ce que doit être l'avenir de la France. Nathalie parlait à juste titre du Grand Paris. J'ai voulu le Grand Paris. Et je me retrouve avec un bébé que je ne reconnais plus. Un espèce de mécano. On ne sait pas exactement comment le prendre, si ce n'est qu'il y a des présidents partout, des hochets donnés à tout le monde. C'est la seule organisation où vous ne voyez ni l'endroit ni l'envers, où il n'y a pas de gauche et pas de droite, pas de haut et pas de bas. C'est juste un truc pour anesthésier tout le monde et être sûr qu'à l'arrivée, on ne fait rien. Voilà le projet, ce qu'est devenu le projet du Grand Paris. Simplement un peu de division, simplement un peu de répartition, Nathalie, pour qu'à l'arrivée, personne n'ait le pouvoir et que surtout personne ne décide, parce que vraiment, la décision, c'est pas bien. C'est pas tout à fait ma conception des choses. Je pense que le Grand Paris doit être le Grand Paris des projets et non pas le Grand Paris des structures. Je pense que la façon de convaincre les franciliens, les parisiens, de l'utilité du Grand Paris, c'est de voir en quoi ce Grand Paris peut changer leur vie quotidienne et non pas additionner des structures aux structures, alors que déjà les Français n'en peuvent plus de crouler sous des structures qui justifient des impôts qui explosent un peu plus chaque jour et qui empêcheront demain les maires, les présidents de département, le président de la région, de faire quoi que ce soit, puisque la seule chose qui semble intéresser M. Hollande et ses amis, c'est d'empêcher que quelqu'un puisse assumer ses responsabilités. Voilà. Ben oui, j'ai une amie dans la salle, je la remercie. Ça m'encourage. Il nous faut réfléchir à ce que nous voulons faire. Pourquoi ? Parce que naturellement, l'alternance ne repose que sur nos épaules. L'alternance régionale, et on a la chance avec Valérie Pécresse d'avoir une très remarquable candidate, je dois dire qu'elle m'épate dans sa façon de faire campagne, à chaque instant et d'y penser à chaque seconde. Ça fait plaisir. Vous savez,
Moi, j'aime quand les gens sont motivés. J'en vois tellement qui pensent que c'est un droit d'être candidat. Par parenthèse, message personnel, je souhaite que tous ceux qui mettent autant d'énergie pour être sur la liste des régionales, une fois qu'ils y seront, mettent autant pour développer leurs idées et pour se battre à nos côtés. J'y verrai. Je ne mettrai pas de nom, naturellement, compte tenu de la présence amicale de la presse, mais enfin, il ne faudrait pas trop me pousser. C'est une plaisanterie. Pourquoi ? Les problèmes ont changé. Les défis ne sont plus les mêmes. C'est fou l'accélération de l'histoire et la profondeur des abîmes dans lesquels nous ont mis M. Hollande et ses amis. Notre projet ne peut pas être de refaire ce que nous avons fait. Parce que les défis ont changé, parce que la situation est encore beaucoup plus grave et parce qu'il va falloir être à la hauteur de ces enjeux. Nathalie a porté la réforme des statuts, nous avons voulu de la démocratie. Vous avez été innombrables à voter sur les questions d'immigration comme sur les questions sociales. 50 000, 40 000, vous continuerez à voter. C'est très important. Je vais prendre deux ou trois exemples. Une affaire aussi sensible que le droit du sol. À l'évidence, le droit du sol fait partie de l'identité de notre pays. Et en même temps, à l'évidence, il faut le faire évoluer. Parce que le droit du sol, nous ne voulons pas le remettre en cause, mais nous ne voulons plus de fraude sur le droit du sol. Si nous avions débattu de cette question, uniquement à l'intérieur des instances dirigeantes de notre formation, nous n'aurions eu droit alors qu'à un échange de postures arbitré par des éditorialistes qui connaissent la réalité de très loin. Nous avons débattu, nous avons tranché cette question en disant « Nous maintiendrons le droit du sol, mais nous ne voulons pas l'automaticité de l'obtention de la nationalité française pour des gens qui auraient un casier judiciaire, pour des gens qui seraient liés à une activité terroriste, ou même pour des gens qui seraient nés en France de parents, à l'époque, en situation illégale, ce qui est un détournement ni plus ni moins que du droit du sol. Nous avons débattu. Chacun a dit s'il était d'accord, s'il était moins d'accord. À l'arrivée, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé et beaucoup intéressé. C'était des propositions fortes qui n'ont fait l'objet, en vérité, d'aucune polémique. Personne n'a dit, personne, que les Républicains n'avaient pas, en matière migratoire, désormais, des idées nouvelles, des idées fortes, adaptées à la gravité de la situation. Pourquoi ? Parce qu'on en a débattu et parce que vous avez tranché. Sur la question des réfugiés politiques, question très sensible. Pourquoi est-ce une question sensible ? Parce que si la France n'est plus le pays qui accueille celui qui est persécuté, la France perd une partie de son identité. Mais en même temps, si on confond le réfugié politique et le réfugié de guerre, alors on fait disparaître le réfugié politique derrière le réfugié de guerre, car il y a une grande différence entre eux, c'est que le réfugié de guerre a vocation à rentrer dans son pays une fois que la guerre est terminée dans son pays. Nous avons pu évoquer ces questions, nous avons pu en débattre sans que cela pose la moindre polémique ou la moindre fracture entre nous. L'Europe, et il y a dans notre famille politique des gens dont je suis qui croient dans l'Europe. Je n'abandonnerai jamais mon combat européen. Il y en a dans notre famille politique qui sont plus souverainistes, comme l'on dit. Mais nous avons pu trouver un point d'équilibre, européen ou souverainiste, sur la nécessité non pas de réformer l'Europe, mais de la refonder.
parce que l'Europe d'il y a 6 décennies, avec 6 pays, n'a plus rien à voir avec le projet politique d'aujourd'hui, où 19 pays ont une monnaie unique et où 28 se trouvent rassemblés dans une Union européenne qui ne peut plus continuer à fonctionner avec les règles à 6. Chaque fois, on a pu rassembler les points de vue et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir le dire, il n'y a plus une personne qui puisse penser dans notre famille politique que Schengen puisse continuer comme cela. Schengen, c'est fini. Schengen doit être refondé, Pierre. Schengen doit être réimaginé. Nous allons continuer, comme nous l'avons fait pour le Code du travail, on a un petit peu élargi les choses. Là encore, en France, on adore parler du dialogue social. D'ailleurs, plus on en parle, moins on le fait. Il n'est pas social et ce n'est pas du dialogue. Ça se passe avec des formations syndicales, excusez-moi, qui ne démontrent en aucun cas leur représentativité et qui, lors de la dernière élection présidentielle, se sont comportés comme des sous-partis politiques appelant comme un seul homme à voter pour François Hollande, ce qui n'était pas leur rôle. Le spectacle qui a été donné dans cette grande entreprise nationale qu'est Air France, ce spectacle est indigne de la République française. Deux cadres apeurés, à la chemise déchirée, au bord du lynchage. Dans la France de 2015, cela porte un nom, c'est la chienlit. Et si ça ne plaît pas à M. Valls, alors qui m'écoute bien, c'est la chienlit. Imaginez quand même que dans une entreprise dont le premier actionnaire est en vérité l'État, une entreprise où il y a le drapeau avec les 3 couleurs sur le fuselage des avions, une entreprise qui porte le nom de notre pays, Air France, la France et le monde entier, qui voit qu'à Air France, en 2015, deux cadres qui n'ont fait que leur devoir en expliquant ce que devait être le projet de redressement de la compagnie se trouvent lynchés par une bande de nervis qui sont la honte de la compagnie. Voilà la réalité des choses. Nous ne voulons pas de ce spectacle en France. Mieux, cher Frédéric, mieux. Croyez-vous que la sanction tomba d'abord sur les agresseurs ? Non ! On apprend benoîtement qu'après la visite du Premier ministre, c'est le directeur des relations humaines qui est donc licencié et remplacé par le collaborateur de Valls, lui-même Valls ayant démontré à satiété sa grande compétence à gérer les problèmes de notre pays. Ça rassure pour Air France. Marqué, il aurait pu avoir pire et a pu choisir un collaborateur de François Hollande. On l'a échappé de belle. Mais rendez-vous compte du signal qui est envoyé dans toutes les entreprises de France. C'est donc la violence qui paye. C'est donc le délitement de l'État qui paye. Un homme fait son travail, un comité d'entreprise censé organiser le dialogue social est investi par 1 000 ou 1 500 personnes déchaînées, et la conclusion, il y aura peut-être une enquête sur les agresseurs, mais il y aura tout de suite une sanction sur celui qui a essayé de porter un projet de redressement. C'est inacceptable, et les Républicains que nous sommes, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous voulons changer complètement les règles de jeu syndical. D'abord, nous ne voulons plus que dans aucune entreprise de France, il y ait un délégué syndical qui soit nommé. Nous voulons qu'il soit élu par les salariés de l'entreprise.
Et par ailleurs, même si ça ne plaît pas à l'aimable secrétaire général de la CGT, dont j'ai complètement oublié le nom, je souhaite que les élections dans les entreprises soient libres dès le premier tour et qu'il soit mis fin au monopole de présentation des candidats au premier tour d'une élection professionnelle dans l'entreprise. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait qu'un seul monopole dans notre pays, le monopole de syndicats qui veulent détruire, alors que nous, nous voulons bâtir. Et que dire de ces grands mots dont on s'enivre, et parmi ceux-ci le paritarisme. Le paritarisme, c'est devenu le paravent de l'immobilisme. Qui gère l'assurance maladie? Qui ici est capable de me le dire? Quel est le nom de la personne qui gère les ACEDIC? Qui ici est capable de me le dire? Personne. Ça change tous les ans, et de toute manière, ça ne change rien, puisque celui qui dirige a comme caractéristique de ne pas vouloir diriger. Dans le même temps, les ACEDIC s'en vont vers un déficit de 35 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent d'une année de cotisation prélevée sur les entreprises. Je le dis comme je le pense, c'est la décision que nous avons prise ensemble, nous reviendrons sur le paritarisme, que l'État prenne ses responsabilités, nous remettrons de l'ordre dans les comptes une fois rétablis, nous le rendrons aux partenaires sociaux. Mais il y a un travail à faire, et ce travail, on va le faire. Il faut prévoir la dégressivité des allocations chômage pour que celui qui est au chômage ne puisse pas refuser un emploi ou une formation qu'on lui propose. Il le doit à la société, et il le doit notamment à ceux qui, par leurs impôts, finance les allocations qui lui sont octroyées. Et vous voyez se dessiner petit à petit un projet politique des Républicains fort, adapté à la situation, seul de nature à éviter quoi? Mais à éviter, mes chers amis, le drame que serait l'élection dans nos régions ou dans notre pays de représentants d'une formation politique, le Front National, avec qui je veux rappeler que nous n'avons rien à voir, rien du tout. Et ça m'amène, pour terminer mon propos, à vous parler politique. Au plus profond de la politique, comme si vous êtes, parce que vous êtes des responsables politiques. La seule alternative au Front National, c'est nous. Ne vous préoccupez pas trop de François Hollande, ils sont finis. Il n'y a plus une personne qui peut penser... Une seule, que c'est rattrapable. Il fut un temps où Santini disait qu'à force de chuter dans les sondages, ils avaient fini par trouver du pétrole. Mais lui, François Hollande, il est au niveau du gaz de schiste, beaucoup plus bas. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que nos compatriotes passe du mensonge quotidien, je le dis comme je le pense, à ce que représenterait la folie du choix dans l'inconnu, du saut dans l'inconnu, de gens qui portent des idées, qui ont applaudi Tsipras lorsqu'il est arrivé en Grèce, qui ont un programme économique qui est rien d'autre que celui de Mélenchon, qui n'ont comme seule description de la France, on avait honte quand on entendait Marine Le Pen parler à François Hollande, et quels que soient les reproches que j'ai à faire à François Hollande, je ne pense pas qu'on combatte utilement pour la France en ayant cette attitude, ni avec M. Hollande, ni avec son propre père. Ces gens parlent de la famille, et comment vivent-ils leur vie familiale ? Cette personne qui est d'une telle violence, Madame Le Pen, à l'endroit de son père, dont elle était bien contente de récupérer l'héritage, elle ne se bouchait pas le nez, Madame Le Pen, lorsqu'il s'agissait de ramasser la petite entreprise familiale. Madame Le Pen, ça ne l'a pas gênée durant 30 ans, le détail
et toutes les folies de son père. Madame Le Pen, elle s'est rendue compte il y a un mois que son père était infréquentable. Nous, ça fait 30 ans qu'on le sait que son père est infréquentable. Comprenez-moi bien. Je ne suis pas du genre à m'incliner devant la pensée unique. Franchement, je n'ai pas changé. Et je ne suis pas du genre non plus à chercher les compliments d'un monde médiatique dont je connais parfaitement les règles. Mais je ne veux pas, et je n'accepterai jamais, que les républicains que nous sommes, nous tombions dans la caricature. Parce que la caricature fait et rend service à M. Hollande et à Mme Le Pen. Nous avons des convictions si fortes que nous n'avons pas besoin d'aller dans la caricature. Nous avons des convictions si fortes que nous voulons les défendre devant tous les Français, quels que vous soyez. Je ne parle pas à un clan, je ne parle pas à une secte, je ne parle pas à une équipe de supporters, je parle à la France dans sa diversité, à la France dans sa générosité, à la France dans son histoire. Et vous êtes les bienvenus chez les Républicains si vous aimez la France, si vous croyez en la France, si vous parlez le français, si vous aimez la culture française, si vous défendez le mode de vie français. Vous êtes les bienvenus, quelle que soit votre couleur de peau, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre religion, quel que soit le vote. Non, je m'énerve pas, j'explique. Quel que soit le vote qui fut le vôtre lors des dernières élections, j'ai commencé mon propos en vous disant, on aura besoin de tout le monde pour développer les Républicains. Mon raisonnement est le même pour la France. On a besoin de tous les Français de bonne volonté. On a besoin de tout cela, quel que soit leur âge. Je l'ai dit, quelle que soit leur région, je le pense. Quel que soit leur choix politique d'hier, ça m'est égal. Ce qui compte, c'est est-ce qu'ils sont comme nous conscients de la gravité de la situation du pays et s'ils sont comme nous conscients qu'il faut des idées nouvelles pour redresser le pays. C'est de cela dont on a besoin. De cela et seulement de cela. Enfin, le débat et l'autorité. Christian, j'ai l'impression de me trouver dans le grand amphi de Sciences Po. Ce ne sont pas des problèmes théoriques. D'abord, il me semble curieux, comme pour le travail, que les Républicains défendent la valeur du travail et plaident pour moins de travail. Il me semblerait curieux, semblerait conditionnel, que les Républicains ne défendent pas la valeur de l'autorité. L'autorité, la crise phénoménale de l'autorité est au cœur de la problématique de l'identité française. Il n'y a plus d'autorité. Plus d'autorité de l'État, plus d'autorité à l'école, où je reste incontestablement attaché à des symboles. Quand le maître rentre dans la classe, les enfants se lèvent, quel que soit leur âge, en signe de respect. Quand on entre dans une pièce et qu'une personne plus âgée que vous n'a pas un siège, on se lève pour lui laisser la place. Non, je sais, c'est très simple, mais enfin, ça peut servir. Je pense que lorsqu'on a été condamné à une peine de prison et qu'on est dangereux, on n'a pas vocation à avoir une permission de sortie. Vous avez vu qu'on a un nouvel humoriste dans la vie politique française ? Non ? Madame Taubira, qui va résoudre le problème des permissions de sortie pour les détenus dangereux. Elle a tout compris. On va leur mettre une escorte de policiers pour que, naturellement, ces braves gens ne fassent pas de mauvaises rencontres durant leur permission de sortie. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est vraiment ce que souhaitaient les Français. Mais mes chers amis, le débat, la liberté, les idées que vous portez, les votes que vous manifesterez, le choix
des candidats ou des candidates pour les régionales comme pour les présidentielles. Tout ça, c'est formidable. Mais je ne connais pas une entité humaine qui puisse fonctionner sans une autorité minimum, sans quelqu'un qui, au final, doit porter le poids de la décision. Parce que quand on ne prend pas de décision, on a tous les inconvénients de l'absence de décision et aucun des avantages de la prise de décision. Notre mouvement l'a connu, cette situation, où chacun se pensait chef à la place du chef, où chacun exigeait que sa ligne prévale sur celle des autres, où chacun affirmait ses prétentions et ses ambitions. Cette période est terminée. Il y a un président de la famille qui a été élu et qui est là pour faire le travail du président de la famille. Et vous savez quelle est la spécificité du président de la famille ? Tous les autres peuvent parler, le président de la famille doit décider. Et je déciderai à chaque fois que je pense que l'intérêt général de notre famille politique et de notre pays est en cause. Nous aurons un projet fort, jamais un projet qui dépassera ou débordera les lignes des Républicains. Parce que déborder les lignes des Républicains, c'est faire preuve de faiblesse. Et moi, je souhaite qu'on fasse preuve de force. Voilà petit à petit ce que nous allons faire. Je vois, et vraiment ce sont mes derniers mots, que parfois il y a un peu d'inquiétude sur les primaires, qu'est-ce que ça va donner ? N'ayez aucune inquiétude. Parce que les forces centripètes ont leurs conséquences, mais les forces centrifuges l'ont aussi. Je m'aperçois que les choses progressent. Maintenant, le tronçon commun du projet politique des Républicains, plus personne ne le conteste. Il manquerait plus que ça. Maintenant, le calendrier, les régionales d'abord, les présidentielles ensuite, toute personne, chacun l'accepte. Il y a 17 têtes de liste, c'est fait. Il y a un accord politique avec les centristes, c'est fait. Eh bien, on va continuer tranquillement comme cela. Il y a un monsieur qui fait, oui. Moi, je vais vous dire une chose. L'accord avec les centristes, je le revendique. C'est moi qui l'ai voulu et c'est moi qui le défendrai. Pourquoi ? Parce que dans la même salle, mes chers amis, si tout l'été, dans la presse, on avait vu bagarre entre la droite républicaine et le centre, vous seriez là en train de me dire, vous n'êtes pas devenu fou, vous ne pouvez pas vous arranger, vous ne pouvez pas vous additionner, vous n'avez pas vu ces papiers. Laissons la division aux autres et continuons en ordre. Continuons avec un calendrier, avec une règle. Respectons ce calendrier et cette règle. Et tous ensemble, je vous assure, on apportera les réponses qu'attend la France. Un an et demi, 2 mois pour gagner les régionales, 1 an pour préparer les primaires, 1 an et demi pour la présidentielle. C'est très peu et c'est beaucoup. Mais si vous saviez à quel point on aura besoin de vous, de votre soutien, de votre participation, de votre aide, de votre engagement, de votre volonté, de votre détermination. Merci Philippe. Merci Frédéric. Merci à notre tête de liste régionale. Pour moi, être ici avec vous, au fond, ça fait un week-end qui commence bien. Merci.